Je souhaite un excellent anniversaire à la Technopole pour ses 20 ans. Fabrice Annie, je suis avant tout chef d'entreprise dans plusieurs domaines d'activité. Je suis également président du SICR et également président du Cluster Green. Une partie où je consacre du temps pour gérer mes sociétés et une autre partie où je donne beaucoup de mon temps pour le monde associatif. Donc des journées très grandes et des semaines importantes. C'est un incubateur, on va dire un environnement qui permet aux entreprises d'innover. Alors, si je prends une de mes sociétés, qui est Aqualo, cette société fait de la télésurveillance de fuite d'eau des entreprises grâce à des objets connectés. Et ensuite, les informations remontent sur une plateforme et ainsi, on peut économiser beaucoup d'eau. L'innovation permet d'apporter certaines solutions à l'économie circulaire. Beaucoup d'entreprises ont des idées pour diminuer leur impact, par exemple au niveau carbone. L'innovation est vraiment un levier pour l'environnement. En multipliant les initiatives comme la Technopole avec des incubateurs, en accompagnant encore plus de projets. On a tendance des fois à être un peu dur dans la sélection. Donc on laissant une chance à plus de gens, plus de personnes. Je pense que La Réunion est en avance sur la partie télécommunication avec la fibre, ce qui permet aux créateurs d'entreprises, à ceux qui souhaitent, de s'appuyer sur un réseau efficient. La Réunion, grâce à son réseau de télécommunications, peut supporter les objets connectés, bientôt également avec la 5G. Beaucoup de projets pourront être portés grâce à nos infrastructures. J'ai essayé de me projeter dans ma vie, donc je faisais des études et je pensais plutôt à travailler. Voilà, j'avais quelques ambitions professionnelles. Voilà mes 20 ans.